Bon, si vous êtes sur la vidéo qui est sur Flappix TV, bienvenue à vous dans ce tout nouveau jeu d'armes en zombie. Et là, vous vous dites, il est sur Black Ops 4 ou Black Ops 3 le Flappix? On est sur Black Ops 3 pour une nouvelle vidéo qui custom map, bien sûr. Un gun game, cette fois-ci pas what the fuck comme on a l'habitude de faire en ce moment. C'est plus un gun game à thème. J'ai voulu faire un gun game spécial Black Ops 4. Arme Black Ops 4 et une map qui devrait être sur Black Ops 4. Vraiment, c'est une Alpha Omega V2. La map est très cool, super belle, super bien foutue. Donc pour, bien sûr, cet épisode Custom Map Zombie, on tourne ça en live Twitch. Comme à chaque fois, bien évidemment, vous voyez que Twitch vous met des coucou YouTube. Donc rejoignez live Twitch, ces épisodes custom sont tournés les jeudis soirs à partir de 20h. Donc si vous voulez voir en direct, c'est le meilleur moyen de venir sur Twitch tout simplement. Et si t'es sur la vidéo, n'hésite pas, le petit like, ça ferait plaisir, bien évidemment. À t'abonner également à la chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que comme ça tu ne louperas pas les prochains épisodes custom. C'est tous les mardis et jeudis à 18h. Donc tu m'actives la cloche des notifications. Et nous on est parti sur Black Ops 4 Remaster. Non je rigole, on est sur Black Ops 3. Mais c'est clairement, on pourrait dire du Call of Duty Black Ops 4 Remaster. Bon comme d'hab, j'ai toujours pas fait ma scène spéciale gun game. Donc ma tête est devant le nombre d'armes, mais en gros pour ce gun game on a 82 armes au total à faire. Là il me reste 79, donc je vous dirai peu à peu là où on en est au niveau des armes. Mais j'ai pas fait ma scène spéciale gun game, et si je redémarre la cam faut que je relance le logiciel etc. Bref c'est très très chiant. Ok, le petit wailing, tac. Et donc on va essayer de se faire un max de points rapidement pour partir de la first room, parce que sinon ça va vite être compliqué quand l'Avogadro va se ramener. Parce que oui, un Avogadro. Donc la map sur laquelle on est, elle s'appelle Frequency. Bah voilà, quand on parle du loup, elle s'appelle Frequency. Et c'est une map qui est vraiment inspirée de ouf d'Alpha Omega, pardon, de Black Ops 4 Zombie. Et on va ouvrir la map, on va s'aventurer un petit peu dedans. Si vous allez voir qu'elle est vraiment super cool. Vraiment, c'est... J'adore cette map-là. C'est dommage, en fait, qu'il n'y a qu'un petit secret secondaire. De toute façon, je pense que là aussi, on fait cette map-là en gun game. Mais plus tard, sur la chaîne YouTube, sur cette chaîne Flappix TV, on fera la map en gameplay. Tu vois, en gameplay classique. Parce qu'elle est vraiment super belle, elle est super cool. Il y a un petit easter egg en plus avec les têtes de mannequins. Mais bon, on se gardera ça pour une vidéo ultérieurement. Pour l'instant, c'est juste... le jeu d'armes, c'est tout ce qui compte. J'allais me mettre le courant. Qu'est-ce donc que ça? C'est juste un élément décor. Ouais, ok, je regardais. Mais tu vois, en plus, un petit bureau Broken Arrow et tout. Non, la map, elle est vraiment... Moi, j'aime trop la map visuellement. Je sais pas pourquoi. L'ambiance qu'elle a et tout. Je kiffe vraiment bien la map. Il faut que je fasse gaffe au petit Avogadro. Sinon, il va me rétrograder. Il nous reste encore 76 armes à faire dans ce gun game, quand même. Dans ce jeu d'armes. Bah, quelle est ton présentation planning, mon budget? T'auras toutes les infos nécessaires. Hop. Donc là, normalement, après, ce sera le mosu amélioré. Ouais, hop là, oula. Je vais me prendre de sales coups. Tac. Hop. Bah, aïe. Méchant la Avogadro. On va se faire des points pour le masto. Je pense ici peu. Hop. 20 points, y a pas un petit zombie là à shooter. Toi. Hop, tu seras shooté. Ok, le Discord, on a le pack up and juste là. Bon, on n'en aura pas trop besoin normalement en gun game. Masto, où est-il? Attends, on peut monter là? Incroyable, ok. Ok, ok, là, à mon avis, ça va être une porte. Ouais, c'est exact. Daikiri ici, donc non, je ne suis pas intéressé. Moi, je veux juste Masto actuellement, en vrai. De toute façon, on va se prendre marathon, Masto, double tap, etc. Les classiques. Mais il n'y a pas Masto sur la map? Il n'y a peut-être pas Masto? À moins que je sois passé devant, vous l'ayez vu et moi, je l'ai pas vu. Dans ce cas, j'ai l'air complètement con. Non, ok, le bunker ne s'ouvre pas. Je regardais si c'était pas une porte. Ok, ah oh bah, on a tout gratuit, on a eu 3 armes. Non, là, c'est pas une porte à ouvrir non plus. Mais ouais, le masto, les... Ah, il est peut-être... Mais oui, j'ai pas été voir. Bah oui, il est au-dessus. Ok, il est totalement au-dessus du bâtiment. C'est vrai que j'ai oublié le bâtiment. Ok. Le M1897, 72 armes restantes au gun game. Mais oui, un étage. Et le petit Juggernaut Soda. Let's go. Non, il y avait pas de secret, Diner. J'avais juste découvert, je crois, la first room ou un truc comme ça. J'avais pas fait plus, il y a aucun secret sur la map. Vraiment, il y a... C'est juste une map typique survie. Avec un petit secret seconde. Enfin, un petit. Voilà, un petit easter egg où tu défonces tes deux mannequins, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment tout. Hop, oula. Tac. Oh là, regarde. J'ai oublié qu'il était là, lui. On va vraiment laisser prendre passe-passe, par contre, parce que là, si on commence à attaquer les fusils à pompe. On va pas se mentir que les fusils à pompe, c'est bien. Avec passe-passe, c'est mieux. Ok, promu. Hop, oh, oh le shoot! Oh merde! C'est inquiétant! Et en plus, les logos d'atouts, c'est style Black Ops 4. Hein. Vraiment, la map, c'est du full Black Ops 4. Et on est sur Black Ops 4 Master en fait, le chat. Voilà, je vous ai caché la vérité. On est sur Black Ops 4 Master, on n'est pas sur Black Ops 3. Hop. On a quoi là? Ah, bonus pack à punch, parfait pour le mog. Oh là. Par contre, la map, elle est très serrée. Ça, va falloir faire très attention.
Parce qu'à mon avis, ça va être un coup à se faire coincer bêtement. Ok, l'atout ne m'a rien donné. On est peut-être limité à 3 atouts, ce qui serait très bizarre et très handicapant. Ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Et merci beaucoup, tu le splash le beau mal qui continue se ressemble. Comme ça, Flapix, t'es le meilleur. Merci, mon beau mal, pour le 3e mois de sub qui fait plaisir. Quel homme. Incroyable. Incroyable, ce beau mal. Hop. Ok, le SG12. Ouais, marathon. Je crois que j'ai pas vu marathon. J'aimerais bien voir marathon pour me déplacer plus facilement et plus rapidement. Peut-être là, je t'avoue que j'ai pas trop exploré ce coin-là. Hop, toi, dégage. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, écoute, on a l'air d'avoir rien de spécial. Ah, c'est quoi là-bas? C'est vrai qu'au niveau de la first room, il y avait une petite salle que j'ai pas été explorée. Hop. Aïe! Ah, au secours! Ok, bah c'était Réa. D'accord. Oh, les bruits de passement d'ange d'Alpha Omega. Incroyable. C'est derrière. Oh, la Svender déjà? Insane. Oh là. Ok, il nous reste 66 armes à faire, le chat. Ça devrait aller. Objectif flawless, hein, donc pas être dépromu, rien du tout. Marathon, il serait pas par là, par hasard. Il y a peut-être pas marathon. Il y a peut-être pas marathon. Oh, c'est embêtant, là. C'est vraiment pas nice. Surtout avec les bateaux, c'est chiant de se déplacer sans marathon. Est-ce que vous avez vu marathon, le chat? Par hasard. Pour l'instant, j'ai pas l'impression de le voir. Là, on a 3 armes. Là, il y a l'Avogadro. Aïe! Ah! Non, t'es promu! Et c'est le choke du joueur français! Oh, ça perd l'hypopète! Tout ça pour un foutu marathon! T'inquiète, on a session config dans le chat. Et t'as toutes les infos. Ok. Le petit carnage. Quel pompe incroyable, le carnage quand même, hein, sur BO4. Les armes de BO4, c'était vraiment bien. Ok. Hop. Bah écoutez, y a pas l'air d'avoir marathon sur la map, hein. Marathon, il est caché, flûte alors. Hop, oh le Hélion. Alors ça, c'est pas ouf, surtout que j'ai pas de PhD flopper. Tellement la meilleure arme de l'histoire du zombie, le Hélion Salvo, honnêtement. Qu'on se le dise, les gars. Meilleure arme en dehors des armes spéciales. Un atout gratuit. Peut-être un marathon qui pop. Ok. Oh, les cris. Fuck. Aïe. Oh, la Vagadro, ça va être handicapant de l'avoir tout le long. Ça va être compliqué de ouf. Et bah, va falloir... Ah, bah, il était juste là, marathon. Il était juste là, le salaud. Oh, ça perd l'hypopète. Purée de pommes de terre. Hop, petit cran d'arrêt. Ils sont les ombres. Ah, salaud. M'embête, lui. Il me casse les roubignoles. Il nous reste 58 armes restantes d'ailleurs, le chat. Tain. Tain. Oh, le x2. Why? Il y a la lumière qui a bugué. Hop, voilà. Tac, le x2, c'est le moment où on doit vraiment enchaîner les kills. Parce que c'est là où on peut grind de ouf les armes super rapidement. C'est pas négligeable. Ok, 1927, c'est vrai qu'elle est sur Blood dans BO4. Il est vrai. Hop. Allez, pendant qu'il y a le x2. Ok, la démon. Allez, vite, pendant le x2. Aïe. Et chez lui. Dommage que je peux pas te cuter, salopio. Bon, on a bien monté, il nous reste 53 armes restantes. Ça devrait le faire, on devrait finir en 21h pour rejoindre l'équipe après. Tu veux pas, AK, on gagne une game? Y'a pas de couteau, on gagne une game. Ok, Sog 9. J'avais oublié cette arme là. Je l'avais complètement zappé. Et il m'en kikine, hein. Va me tirer dessus comme ça et me ralentir en plus. Surtout que la map elle est ultra serrée. Hop. Ah! Ok, cordite. Il y en avait des mitraillettes sur BO4 en vrai. Hop. Nickel. La cordite améliorée, du coup. On passe en dessous de la barre des 50 armes à faire pour le jeu d'armes. Objectif speedrun, mon pote. Il y a le speedfire aussi. Mais ça se finit quand, les mitraillettes? J'ai l'impression que tout le game, c'est que des mitraillettes. What the fuck?
Tintintin. Hop. Ok, oh c'est vrai, il y avait l'escargot. L'escarbouze. Ok, promu. Hop. C'est un nice ici, ça a l'air assez spacieux pour tourner et tout. Hop. Petit x2, let's go. Et les points en plus. Allez, la GKS. Non mais attends, mais... Aïe, méchant Vogadro. Bon, normalement, après la GKS, il n'y a plus d'armes, plus ni traite. Est-ce que je me souviens? Mais les gars, on est en gun game. Quand on voulait acheter un truc au mur, en gun game. Pareil pour cutter, quand on voulait cutter en gun game. Ah, c'est bon, on passe aux AR. Enfin. Vous avez vu, putain, c'était interminable. Et là, on passe du coup aux armes. On a besoin de 2000 points pour les valider. Et il nous reste 42 armes au compteur. Ok, promu. Petit atout. Ok, bah, je crois que j'ai. Bah, je peux plus avoir d'atout supplémentaire avec les. Ah, t'es plus atout gratuit, c'est désactivé actuellement. Tête d'ombin. Ok. Petite nuke, non, on va pas se prendre la tête, hein, ça fait pas assez de points les nukes. Hop. L'Essex. Ah, le fameux. Bon, il est mieux sur BO3 que BOK déjà, l'Essex, hein. Honnêtement. Honnêtement, on est déjà avec 17. Oh là. Quand je dis il est mieux, tout est relatif quoi. Allez hop là, la machine de mort de BO4. Oh là. Ah, ça commence à spawn beaucoup plus vite là. Ok. Ah bah voilà. Là c'est un bon Essex quand il est amélioré. Bam 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 bam. Let's go, le paladin. Ah, bon. Il se l'apex, mon pote. Il était bien aussi, le sniper de B4, en vrai. Le paladin, j'avais beaucoup aimé ce sniper. Hop. Il se l'apex, mon pote. Il est là, il est présent. Prêt à en découdre. Oh là là. Aïe. Non, la Vogadro qui ralentit. Eh, ça rajoute de la difficulté de ouf, hein, cette Vogadro qui est là constamment. Il nous reste 38 armes il nous reste 38 armes restantes, ça n'a aucun sens. Il reste 38 armes à faire, le chat. Ok. Il y a un petit paladin amélioré. Ah, j'ai l'impression d'avoir des atouts, mais qui sont invisibles avec le gun game. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir l'atout escargot qui ralentit les zombies quand on s'en approche. Voilà. Non. Ah, foutez-moi la paix. Ok. La petite auger DMR était cool aussi comme arme. Là, j'ai vraiment bien aimé les armes. De toute façon, BO4 est incroyable. Waouh! Salopard. Vas-y, je me sens trop serré là-dedans. On va se changer de zone. On va aller dans un endroit un peu plus espacé qu'ici. Hop là. Ah, bonus pack à punch sur une arme, déjà pack à punch, c'est pas fou. Oh, attends, un petit insta. Ça peut être cool en fonction des armes qu'on a après. Si on a des armes pas trop puissantes. Ok. Ah mais BO4 est incroyable. Vive BO4. Hop. Ok. 34 armes restantes maintenant. Et on a le coche-cul. Ah. Je fais mal, non. Oh, comment je suis passé. Ok. Tain. Ah bah là c'est mieux déjà. C'est version améliorée quand même. Hop. Après on aura peut-être le bandit. Non, 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 je vais pas refaire le coche-cul. C'est bon. Ok. Le SM, c'est très bien. On va rester avec ça. Ok, c'est comment c'est sportif, hein. La map, elle est super serrée, franchement. Ouais, le bandit, outlaw.
Le bandit aussi était cool comme sniper, j'avais bien kiffé. Hop. Oh le double point, oui. Ah le double point quand c'est les snipers, je suis heureux. Let's go. Oh le Vendetta, j'avais oublié ce sniper. C'est une arme DLC, c'est vrai. Et 28 armes restantes. Ah salaud. Tu régales pas l'Avogadro. T'as tout barré, ça me sert à pas grand chose à vrai dire. Mais bon. Oh pourquoi j'ai pris le pack à punch alors que ouais ça allait passer. Oh la SWAT, quelle arme incroyable. Quelle arme incroyable la SWAT le chat. Une de mes armes, une de mes airs préférées all time, hein, franchement. Hop. Oh là là. Ah bah l'inter, Paquelito, mille fois. Hop. Ok, l'ICR7. Aïe 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 aïe. En fait on était peut-être mieux dans notre petit jardin. J'ai l'impression franchement que le petit jardin il était pas si mal que ça en fait. Enfin le petit stand de tir plutôt. Allez 23 armes restantes. On va bientôt avoir passé l'ICR amélioré. Pour aller sur la Hitchcock. Quelle arme, j'avais détesté cette arme là sur Blue 4 par contre. Autant la plupart des armes j'avais kiffé, autant la Hitchcock non. Moi c'est non, surtout améliorer, elle faisait des rampants comme la VKM. Hop. Ah, oh, Paquelito, beaucoup trop éclaté ce snipe. Beaucoup trop. Hop, la Ken 57. Titin Star, ouais, bon écoute, pourquoi pas. On est déjà mange 23, il nous reste 20 armes à faire. Ça devrait le faire bientôt. On va y arriver. J'y crois, est-ce que vous y croyez? Oh là. J'ai vu commencer à faire son attaque, je me suis dit, ah, ça sent pas bon. Oh, je suis en train de tous les décimer, là. Il y a un petit x2 en vrai, là. Ça va être très bien. Franchement. Ça permettrait d'aller bien vite. Je me demande, ça va être quoi les dernières armes? Est-ce qu'on aura des armes spéciales ou ça va être juste les batteuses? Je ne sais pas du tout. Je pense que ce sera juste batteuse vu que c'est un mode BO4. Je pense pas qu'il y aurait d'armes spéciales. Enfin, en tout cas, je verrai pas pourquoi. Bah, 30 points, hop. Ok. Petite rempart améliorée. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 pas maintenant, la Vogadro. Je suis désolé, là, je suis plus trop sur le chat. Je suis focus de ouf. Parce qu'on est vers la fin du gun game et j'ai pas envie de choke. Ah la grave. Bah désolé la grave. Mais je prends la machine de mort. Machine de mort qu'il faut qu'on recharge d'ailleurs. De toute façon bah là c'est bon on l'a pu. Si on a la galil améliorée. Enfin la grave pardon. La grave pack à punch. Oh oh. Oh oh. C'est bon ça passe. Ok l'espadon. Hop. Ah bah y'a la hog après aussi. Oh la Hog et son skin avion, tellement folle. Pas la BR, pardon. La Hog, excusez-moi, je suis matrixé par les codes récents. La BBR. En avis, elle va arriver juste après la BR. Ouh, punaise. Les nukes, j'ai pas envie, ça fait pas assez de points. Et après, on aura tout le spawn de zombies qui va arriver d'un seul coup, on va pas être prêt. Ok, bah voilà, la BR. J'avais tellement adoré cette arme, surtout Black Hood, hein. La BR, c'était mon. Ma petite chérie avec son skin avion là. Incroyable. Plus beau skin de l'histoire de Call of. Ok bah j'ai déjà tous les atouts de la map. On a entendu l'Avogadro rigoler. Ok la Maddox. 10 armes le chat. Et en plus de ça, le x2. Oui monsieur. 9 armes. Allez. Ah bah on a un petit PhD d'ailleurs. L'Hadès. Ouais, il y a 4 batteuses, donc ouais, on va finir sur les batteuses. Ah, remarque, les Zoyander, on l'a eu avant. Ah, je sais pas quelle arme serait la dernière. La Death aussi, tellement folle comme arme. Purée de pommes de terre. Ouais, je suis en train de me faire agresser dans le dos, j'avais pas vu. Hop. Après, bah, ce serait la VKM, je pense. Ouais. 6 armes restantes. J'avais détesté par contre la VKM, vraiment pour moi c'est une abomination. On va essayer de pas trop rétrograder.
Hop là, VKM amélioré. Non, 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 la vague à drôle. Ok, ah la titan, j'avais oublié. J'avais totalement oublié Storm, la titan. Vas-y, on va jouer un petit peu à la machine de mort. Oh bah. Oh bah le x2. Oh bah c'est claqué très rapidement là le game, les gars. Là c'est fini. Hop, titan amélioré. Ah bah la Tiger Shark. L'autre batteuse, c'est vrai. L'arme DLC, j'avais totalement oublié. Ah bah non, c'est un minigun. Waouh. Ok, il a pas mis toutes les armes DLC apparemment. Dans le mode d'arme. Bam bam bam. Allez let's go. On finit ce gun game spécial BO4 sur une map inspirée de BO4 sur ce Black Ops 4 Remaster. Et let's go. Easy mon pote. Oh bordel. Avec ça, la Gorgon n'existait pas sur Black Ops 2. N'existait pas. Bah écoutez, si vous étiez sur la vidéo qui était sur Flapixel, j'espère que vous avez kiffé cette map zombie qui laisse croire qu'on est vraiment sur un BO4 Remaster ou qu'on est sur Black Ops 4, clairement. Gun Game Black Ops 4, une map totalement inspirée Black Ops 4. J'espère que ce petit Gun Game vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Abonnez-vous pour ne pas louper les futures vidéos zombies. Tous les mardis, jeudi à 18h, une nouvelle vidéo custom map. Donc abonne-toi et active la cloche de notification. Et bien sûr, rejoins les live Twitch pour voir ces épisodes-là tourner en live. Sur ce, prenez soin de vous. Et à la prochaine, YouTube.